On est en effet une société laïque, je veux dire, dans nos pratiques, dans nos vies, dans notre rapport aussi aux religions. Il est clair que nous sommes une société laïque. Par contre, est-ce que ce rapport trouve sa traduction dans les institutions de l'État? Nous n'en sommes pas là. Donc oui, nous sommes une société laïque, et non, nous ne sommes pas formellement un État laïque, parce que c'est inscrit nulle part que nous le sommes, que l'État québécois est un État laïque. Donc nous sommes dans un espèce de flou totalement artistique où en réalité tout est possible. Tout est possible à travers la liberté de religion et à travers donc, la Charte des droits et libertés qui donne cette possibilité-là aux personnes qui revendiquent leur liberté de religion, certaines dérogations à la loi donc, générale. Donc, à mon sens, il y a un glissement qui s'est fait dans la société québécoise à travers les accommodements donc, religieux. Et on a assisté petit à petit à une multiconfessionnalisation de l'espace civique, c'est-à-dire des salles de prière offertes à différentes communautés culturelles, aussi bien dans les lieux de travail que dans les établissements académiques. Donc on sent qu'il y a une tension, en effet.